Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message d'âme à âme du lundi 21 février. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez bien profité. Ici en Provence, il a fait vraiment un week-end extraordinaire, un temps magnifique, on était en t-shirt. Voilà, donc c'est une guidance pour les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je tenais vraiment à vous remercier tous pour votre écoute, vos mots chaleureux, vos cadeaux. Voilà, vraiment ça me touche beaucoup plus que vous ne le pensez. Après, je suis comme vous, je suis humaine, hein, voilà, avec mes défauts, mes qualités, mes émotions, mes parts d'ombre, mes parts de lumière. Voilà, donc un grand, grand merci. Je voulais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail. Par contre, je voudrais quand même refaire un petit point quand vous venez vers moi. Pour les guidances, sachez que je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour que vous entendiez ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas prêt à entendre ce que j'ai à vous dire, à écouter les messages que l'on veut bien me faire passer, ce n'est pas la peine de me consulter. Vous me faire perdre du temps, de mon énergie. Vous, c'est pareil, et vous perdez de l'argent. Donc, et je le spécifie bien ça dans mes mails, que c'est important d'être dans une ouverture totale quand vous me consultez. Voilà, donc des fois j'ai vraiment le message, donc je refuse la guidance, hein, je rembourse la personne. Mais ça, c'est très important, c'est d'être dans l'ouverture quand vous prenez une guidance. Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, que c'est pas le bon moment, qu'il y a quelque chose qui vous titille, ne prenez pas de rendez-vous. Voilà, il faut savoir aussi accepter que c'est peut-être pas le bon moment et que je ne suis pas tout simplement la bonne personne qui va vous aider dans votre cheminement. Et pour moi, c'est ok, il n'y a aucun souci. Vraiment, dans les guidances par téléphone, je tiens vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup de partage. Sachez que j'apprends énormément au travers de nos échanges. Vous m'apportez autant que ce que je peux vous apporter. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas que dans un sens unique, hein. C'est vraiment une entraide, c'est un partage, un échange. Voilà, donc je tenais vraiment là à refaire une petite mise au point par rapport à ça, parce que voilà, j'ai eu le cas la semaine dernière et moi ça, je refuse, voilà. Bon, allez, maintenant on va parler d'un très beau livre. Ça fait un petit moment que j'ai reçu ce livre, mais c'est vrai que je reçois pas mal de livres. J'ai pas le temps de lire tous les soirs, hein. Voilà, donc je l'ai enfin lu. Et vraiment, ça me tenait à cœur de vous en parler. Donc je tenais à remercier du fond de mon cœur, du fond de mon âme, Gianni, parce que ce livre est une petite pépite d'or pour ceux qui vivent un éveil spirituel, et notamment pour les liens d'âme, forcément, puisque cette personne est sur un parcours FJ. Vraiment, c'est un livre qui m'a énormément touchée, qui a énormément résonné et vibré en moi. Je vous invite vraiment voilà, à découvrir ce livre. Et encore, merci du fond du cœur, Gianni. D'ailleurs, j'avais envie de vous lire un passage. Choisir sa vie. Choisir sa vie, c'est sentir son cœur battre à nouveau. Choisir sa vie, c'est parvenir à se délester de tout ce qui est futile et inutile.
Choisir sa vie, c'est arrêter de se sacrifier et c'est révéler son plein potentiel. C'est en finir avec les croyances limitantes, la bienséance et le regard des autres. En ouvrant son cœur, son âme et son intuition dans la puissance de la nature, c'est ne faire qu'un avec elle. C'est recevoir sa puissante vibration régénératrice en se reliant au tout, à l'unité du monde, source d'apaisement, d'harmonie et de paix. Voilà, les mots sont très très forts. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Allez, c'est parti. Donc on va commencer pour le masculin sacré avec l'oracle de la sagesse universelle. Donc je le rappelle, c'est du général, prenez uniquement ce qui vibre en vous, faites preuve de discernement. Alors, pour le masculin sacré, on nous parle d'énergie de souvenir, de nostalgie. On a un masculin qui prend conscience d'instants bénis avec les êtres chers, peut-être qu'il a perdu, avec les êtres qui sont toujours vivants et qui comptent énormément pour lui dans son cœur. On a un masculin là qui se remémore vraiment l'intensité de ses moments avec sa féminine, cette attraction, ce lien si particulier, ces vibrations, ces énergies tellement extraordinaires et tellement chamboulantes. On a vraiment là un masculin qui est dans l'émerveillement en fait de ses souvenirs. Allez, on va voir pour le féminin sacré. Les sept vertus célestes, on vous parle des clés de la bonté. On vous parle vraiment, et c'est ressorti dans les guidances de samedi sur donc les guidances générales pour le masculin sacré et le féminin sacré. On a une féminine qui est dans la bonté, dans l'amour d'elle-même, dans la compassion, dans la bienveillance, qui a atteint un très beau niveau de complétude, qui est dans la gratitude. Donc c'est très très beau, et qui croit en ses rêves. Et là, il y a une bénédiction qui arrive vers vous, les féminines. Regardez, une étoile arrive, un vœu va être exaucé. Allez, on va prendre un message pour le lien. Magnifique. L'un et l'autre, vous êtes dans la gratitude, dans l'émerveillement, dans la magie de ce lien, malgré les souffrances, malgré tout ce que vous avez traversé, parce que c'est un lien qui vous a tiré vers le haut. Vous avez développer des ressources que vous n'auriez jamais cru avoir, puisqu'on vous parle que ce lien a révélé votre plein potentiel. Vous avez su vous reconnecter à votre âme d'enfant. Vous avez appris à guérir votre enfant intérieur, à être à l'écoute de cet enfant que vous étiez et que vous êtes toujours. Donc il y a beaucoup d'énergie d'émerveillement, de béatitude, de gratitude, de croire en sa bonne étoile, de croire que tout est possible. Très 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 beau. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, j'ai envie de prendre l'oracle des énergies lumineuses. Donc, demain, c'est le portail du 22-2022. La fermeture de cet énorme portail du mois de février. Mais qui va justement permettre à beaucoup d'entre vous d'être dans la gratitude et d'exploiter votre plein potentiel, de rayonner l'être divin que vous êtes. Magnifique.
pour le masculin, on a la conscience spirituelle. On a un masculin qui fait preuve de beaucoup de sagesse. Avec la carte des souvenirs, c'est un masculin qui se souvient, qui est en train de se reconnecter à son être divin, à l'être d'amour qu'il est. Un masculin qui reprend confiance en lui, qui croit en l'univers, qui croit au grand tout. Peut-être pas forcément dans tous les sujets, mais en tout cas qui croit à une force supérieure, qui s'élève, qui s'ouvre, qui se libère et qui n'a plus peur de donner et de recevoir. Donc le chakra coronal, là, grand ouvert, beaucoup de conscientisation. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Et oui, vous avez développé une volonté juste incroyable. Voyez, c'est la guidance que j'ai faite ce week-end pour le féminin sacré, je voyais vraiment comme un soleil, mais un soleil éblouissant, radieux. Et c'est vraiment comme ça que je vous vois. Et cette volonté d'aller de l'avant, malgré les obstacles, malgré les ras-le-bol, malgré les souffrances, malgré les incompréhensions, on vous dit que vous n'avez rien lâché et que vous allez récolter ce que vous avez semé, malgré voilà, les tempêtes émotionnelles. Vous faites preuve d'une force, d'une volonté juste incroyable. Donc vraiment, soyez fiers de tout votre cheminement. Et ce qui est magique dans ce parcours, c'est que ça ne s'arrête jamais. On est tout le temps en perpétuelle évolution vers le meilleur. Et au fur et à mesure du parcours, ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus léger. Allez, on va voir pour le lien. Et on vous parle du chakra racine, donc on vous parle d'action dans la matière, de concrétisation, d'incarner qui vous êtes, d'incarner votre plein potentiel. Il y a beaucoup de réalisation de soi là, donc beaucoup pour certains vous êtes dans votre mission divine, dans votre alignement, dans ce retour à soi. Mais il y a également une notion de concrétisation dans la matière, d'incarner ce couple divin. Vous faites preuve de sagesse, de force, l'un et l'autre, vous avez repris votre pouvoir, vous êtes dans une certaine complétude. On vous dit que vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse grâce aux expériences, c'est très très beau. Allez, j'ai envie de prendre l'oracle pour terminer. Allez, on va prendre une carte pour le masculin sacré. On vous parle de présent, d'être dans l'instant présent. On vous parle de cadeaux, de bénédictions. Vous croyez que tout est possible et surtout que ce lien est un cadeau. Alors que vous l'avez vu comme la pire des choses qui ait pu vous arriver dans votre vie pendant longtemps, tout comme le féminin sacré à certains moments du parcours. Donc, on vous parle d'un bel alignement, d'une belle complétude, que vous êtes dans l'ici et maintenant, vous ne ressassez plus le passé, vous ne pensez plus au futur, vous vous épanouissez juste dans le moment présent. On va voir pour le féminin sacré. Allez, quel message ? Abracadabra. Vous savez là que vous avez... vous êtes en train de monter... alors là, on me dit les marches du Festival de Cannes. Mais c'est presque ça en fait. Parce que là, il y a de la magie. Il y a la foi. Une foi indéniable. Vous avez toujours cru dans ce lien, malgré les obstacles. Et aujourd'hui, eh bien, vous profitez déjà en vous et autour de vous de cette
belle réalisation de soi, de tous ces efforts que vous avez fournis, que vous êtes devenue la magicienne de votre vie. Donc, que tous les espoirs sont permis, c'est vraiment ça. Tous les espoirs sont permis pour l'un et pour l'autre. Et on va voir sur le lien. Bon, et on vous dit bingo, hein. Jackpot, bingo. On vous dit, là, il y a quelque chose de très beau, de très fort qui arrive vers vous. Hein, puisqu'on, et on vous dit, même pas peur. Donc là, il y a quelque chose qui arrive vers vous. On vous parle vraiment d'un cadeau, d'une bénédiction que vous allez accueillir à bras ouverts. Hein, parce que même pas peur, vous êtes prêts là. L'un et l'autre, vous êtes prêts. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.